Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cette phrase-là, quand on la prononce devant vous, vous devez toujours répondre avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Parce que la phrase-là, c'est la meilleure phrase qu'un humain peut prononcer vis-à-vis de son frère. Amen. Quand on dit que Dieu vous bénisse, ça signifie que si tu étais malade, la guérison se trouve dans cette phrase. Amen. Ça signifie que si tu avais des problèmes irrésolus, la solution se trouve dans cette phrase. Amen. Donc c'est une phrase qu'il faut accueillir avec beaucoup de joie. Amen. Parce qu'en réalité, il n'y a que Dieu qui bénit. Amen. Nous ne bénissons pas Dieu parce qu'on n'a pas de bénédiction à lui donner. Amen. Et nous sommes inférieurs à lui. Amen. Et la Bible dit que c'est toujours l'inférieur qui est béni par le supérieur. Amen. Et Dieu est supérieur à nous. Amen. C'est pourquoi nous ne bénissons pas Dieu, nous louons Dieu. Amen. Mais Dieu, lui, nous bénit. Amen. Et Dieu ne nous bénit pas maintenant. Dieu nous a déjà bénis. Amen. Paul dit dans Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 3, il dit, loué soit Dieu, amen, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, amen, qui nous a bénis, amen, de toutes sortes de bénédictions, amen, dans le lieu spirituel en Christ. Amen. Donc, bien mes frères et sœurs, nous sommes un peuple béni. Amen. Ça, il faut se le dire. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel avec les mains tendues, amen, en bénissant. Amen. Donc aujourd'hui en Christ, la malédiction n'a pas de place dans notre vie. Amen. Faut jamais te dire quelque part, ah, je suis maudit. Tu ne peux pas être maudit. Amen. C'est que Dieu a béni, demeure béni pour l'éternité. Amen. C'est vrai, bien-aimés frères et sœurs. Nous remercions le Seigneur pour la parole que nous venons d'entendre ce matin. C'était une parole merveilleuse. Amen. Une parole profonde. Amen. Je regrette pour ceux qui n'écoutent pas ces choses ici. Bien mes frères, nous venons d'entamer le dernier virage de notre préparation. Amen. Et bientôt, le Seigneur va arriver nous prendre. Amen. C'est nous qui viendra prendre. Amen. Nous sommes le peuple qui connaissons ce que Dieu fait aujourd'hui. Amen. Et nous sommes connectés au dernier mandat. Amen. À ce que Dieu fait présentement. Amen. Aujourd'hui sur la terre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, non, 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 on n'a pas besoin de ces ministères-là. Nous sommes connectés au ministère des Frères Branham. Je vous dis la vérité ce matin, il n'y a personne dans cette salle dont le ministère est connecté à celui des Frères Branham. Personne, pas seulement dans cette salle, parcourir toute la terre, même s'il y a des gens qui font beaucoup de bruit, il n'y a personne dont le ministère est connecté à celui de Frère Branham. C'est vrai. C'est ça, vrai. La seule personne qui vit sur la terre aujourd'hui, dont le ministère était connecté à celui de Frère Branham, c'est le frère Franck. Amen. Parce que à Frère Branham, Dieu avait dit emmagasine la nourriture. Amen. Mais à Frère Franck, Dieu a dit emmagasine la nourriture et le temps viendra pour distribuer. Amen. C'est-à-dire, le ministère de distribution est rattaché au ministère d'emmagasinage. Amen. C'est la raison pour laquelle, quand l'emmagasinage a pris fin, la distribution devait commencer. Amen. Et ça s'appelle la continuité. Amen. De l'œuvre de Dieu. Amen. Bien, mes frères et sœurs, on ne peut pas parler de la continuité 10 ans, 20, 30 ans après. Jamais. La continuité s'est faite directement après. Amen. Prenons l'exemple de Moïse et d'Élie. Et plutôt Moïse et Josué. Amen. Parce que c'est ça la continuité. Amen. Prenons l'exemple de Moïse et de Josué. Josué était en connexion avec Moïse, du vivant de Moïse. Amen. Et Moïse, en quittant la terre, connaissait celui qui devait continuer. Amen. Et celui-là était en contact avec Moïse pendant que Moïse était sur la terre. Amen. Et celui-là savait que Moïse partait. Amen. C'est ça. Et vous remarquerez que Moïse, avant de partir, il a parlé avec cette personne là-bas. Amen. C'est-à-dire qu'il a parlé avec Josué.
Et Moïse a prié pour Josué. Amen. Moïse avait imposé les mains à Josué. Amen. Frère, il faut interroger les temps anciens. Amen. Pour comprendre ce qui se fait aujourd'hui. Amen. Dans le monde de Dieu, le hasard n'existe pas. Non. Si vous refusez d'interroger les temps anciens, vous allez vous débrouiller. Mais nous, aujourd'hui, nous avons un seul devoir, c'est d'interroger les temps anciens. Amen. Voir ce que Dieu fit en ces temps-là et comprendre ce que Dieu fait maintenant. Amen. Remarquez, frère, Moïse connaissait que c'est Josué avec qui Dieu va continuer. Et Moïse a parlé avec Josué. Il a prié pour Josué. Amen. Donc Moïse, en partant au paradis là-bas, savait que le peuple ne restera pas se débrouiller, mais il y a Josué qui est déjà destiné pour donner des instructions au peuple afin que le peuple puisse entrer dans la terre promise. Amen. Bien-aimés frères, je n'ai pas dit que frère Branham est Moïse. Je n'ai pas dit que frère Franck est Josué. Mais en rapport avec la continuité de l'œuvre de Dieu, cet exemple-là est suffisant pour nous. C'est suffisant. Josué était présent. Et quand Moïse est mort, Josué n'a pas attendu 10 ans. Il n'a pas attendu 20 ans. Josué a directement continué avec l'œuvre. Amen. Et quiconque voulait être avec Dieu en ce moment-là devait être en connexion avec Josué. Amen. Amen. Tu rejettes Josué disant non, moi je reste avec les brochures de Moïse. Tu ne vas pas entrer en Canaan. Amen. Amen. Tu ne vas pas entrer en Canaan. Donc la meilleure façon, c'était de considérer ce que Moïse avait dit et de considérer ce que Dieu disait par Josué. Amen. Tu négliges ça, frère. Tu vas rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Amen. L'histoire se répète. Amen. Frère, Dieu n'a pas changé sa façon de faire. Amen. Donc, celui qui a continué, il a directement continué après celui qui l'avait précédé. Amen. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il croit le message du temps de la fin. Et il rejette ce que Dieu fait maintenant. Parce que sur toute la terre ici, qui a amené le message aux gens? Frère, on doit se le dire. Même chez nous au Congo, là-bas, le message est entré comment? C'était par ces ministères-là. Amen. Et partout dans le monde entier, personne n'aurait connu même l'importance du ministère prophétique de frère Branham si Dieu n'avait pas suscité ces ministères ici. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas le fanatisme, mais non, c'est la vérité de la parole. Amen. Nous devons montrer au monde entier où se trouve Dieu aujourd'hui. Amen. Le Seigneur a dit lui-même dans sa parole, si quelqu'un me sert, qui me suive. Amen. Et là où je suis, là sera mon serviteur. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes en contact avec un tel serviteur. Un serviteur qui a un mandat selon le plan du salut. Amen. Un serviteur qui a reçu l'appel par voix audible. Amen. Nous ne sommes pas en train de vous prêcher ce serviteur-là. Non. Mais nous témoignons de ce que Dieu fait maintenant. Amen. Frère, nous ne prêchons pas le frère Branham. Non. Nous ne prêchons pas le frère Franck. Non. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Amen. C'est toujours que nous prêchons. Mais nous rendons témoin de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait et continue de faire maintenant. Le monde entier doit le savoir. Et je vous dis ce matin, Dieu confirmera sa parole. Il confirmera sa parole. Vous avez écouté, j'aimerais reprendre certaines déclarations faites ce matin avant de foncer avec vous. Ça fait partie toujours de la parole. Écoutez ce qui a été dit ce matin, des choses très importantes. Frère, la continuité ne peut pas se faire après 10, 15, 20 ans. Non, non, non. Ce modèle-là n'est pas scripturaire. Amen. Ce modèle ne se trouve nulle part dans le plan du salut. Amen. Moïse et Josué étaient en connexion. Et quand Moïse est parti, directement, Josué a continué. Élie et Élisée étaient en connexion. Et Élisée était en connexion avec Élie de son vivant. Amen.
Et Élie savait que pendant que je suis enlevé là, l'homme avec qui Dieu continuera, c'est Élisée. Amen. Élie le savait, Élisée aussi. Mm. Moïse le savait, Josué aussi. Amen. C'est comme ça. Amen. Et au temps de la fin, ça ne doit pas constituer une exception. Non, non frère, interrogez les temps anciens. Amen. Et voyez ce qui s'est passé en ce temps-là. Amen. Et ramenons ça aujourd'hui. Amen. Frère, il faut une mise à jour spirituelle. Amen. Nous devons être mis à jour. Sinon, nous resterons en retard. Ce matin, vous avez écouté que, frère, que personne parmi vous ne puisse arriver en retard. Amen. Écoutez, j'avais dit ça à Delvaux avant de venir ici. Je dis, quand nous voyageons, comme moi là, je pris la Turkish Airlines. J'ai pris l'avion de Kinshasa jusqu'à Istanbul. À Istanbul, je devais bien suivre les instructions afin de ne pas manquer la correspondance. Donc, à Kinshasa, on sait que non. À Kinshasa, on ne savait pas que moi, je suis parti à Istanbul. Hein. À Kinshasa, on savait que je suis parti à Bruxelles. Mes frères, malgré qu'à Kinshasa, on savait que je suis allé à Bruxelles, mais je ne pouvais pas arriver. Je pouvais ne pas arriver à Bruxelles. Si j'avais négligé les instructions qui étaient écrites là, en rapport avec ma destination finale, je ne serais jamais arrivé à Bruxelles. Donc, il fallait que je sois attentif afin de prendre la correspondance. Et cette correspondance devait m'amener à destination. Quelle était ma destination? Bruxelles. Frère, dans l'esprit, puisque le naturel typifie le spirituel. Amen. Dans le spirituel aussi. Amen. L'œuvre que Dieu avait commencée dans ces temps de la ferme, avec le ministère des frères Branham, en proclamant ces messages au temps de la ferme, cette œuvre-là ne s'est pas arrêtée en 1965. Dieu a utilisé William Branham jusqu'au 24 décembre 65. Dieu a terminé avec Branham et Dieu a pris Branham et l'a mis là-bas. Mais Dieu n'a pas terminé. C'est Branham qui avait terminé, mais Dieu continue son œuvre. Dieu continue. Alors, bien aimé frère, si toi tu dis non, 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 moi je m'arrête ici en 65, alors tu vas t'arrêter à Istanbul. Tu n'arriveras jamais à Bruxelles. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre les instructions écrites là. Écrites. Et aujourd'hui, toutes les instructions ont été écrites ici dans ces documents. Ça, c'est les documents divins qui contient toutes les instructions pour notre préparation de la terre jusqu'à la gloire. Amen. Bien, mes frères et sœurs. Alors, si vous négligez les instructions en rapport avec la correspondance, vous ratez les buts. Et Dieu, dans ce temps de la fin, il a utilisé Malachie 4. Dieu nous a donné de très bonnes instructions au travers de ces messagers-là. Frère William Branham, c'est le prophète que Dieu nous a envoyé. Amen. Nous n'avons pas honte de le dire. Amen. Et en le disant, nous ne devenons pas des branhamistes. Non. Nous sommes toujours des chrétiens. Amen. Dieu l'a utilisé et nous a enseigné, nous a prêché ce message. Mais Dieu devait continuer. Et pour la continuité, Dieu a utilisé le serviteur fidèle et prudent. Amen. Selon Matthieu 24, 45 à 47. Amen. Je n'ai pas honte de citer le nom, je vais citer le nom frère. Et en citant son nom, je ne deviendrai pas franquiste. Non. J'ai cité le nom de Branham, je ne suis pas devenu branhamiste. Non. Je cite le nom de Franck, je ne deviens pas franquiste. Bien aimés frères et sœurs, et Dieu a utilisé cet homme là-bas pour nous enseigner exactement tout ce que frère Branham a prêché, tout ce que Pierre a prêché, tout ce que Paul a prêché, vous l'avez écouté, il l'a répété ce matin. Il enseigne exactement. Et aujourd'hui, je vous dis, frère, si vous négligez ce ministère, vous aurez des yeux troubles. Vous n'allez pas voir, bien voir dans la parole. Ceux qui l'ont négligé, ils ont une vision trouble, mais avec des brochures en main comme ça. Ils tiennent des brochures, mais ils ne voient pas clair. Parce qu'ils ont négligé ce que Dieu a fait. Amen. Ainsi, ils ont manqué la correspondance. Parce que ce ministère, c'est la correspondance avec ce que Dieu fera dans la suite. Amen. Donc, vous négligez ça.
vous allez manquer l'enlèvement. Amen. C'est comme ça que Dieu fait les choses, frère. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le temps sont fortement avancés. Et j'aimerais dire à l'église ce matin que Dieu ne fait pas quelque chose au hasard. Amen. Amen. Dieu fait toutes choses selon son plan. Amen. Et Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. Dieu ne sera jamais en retard. Non. Non. Dieu agit toujours au temps fixé. Amen. Si vous prenez votre Bible, rapidement là-bas, avant de lire ce que le frère Franck a dit là. Je vais vous lire quelques pensées de l'Écriture. Écoutez, s'il vous plaît. Dans Genèse, chapitre 18, si nous prenons au verset 14, vous allez écouter. Genèse 18, 14, il est dit ceci. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Frère, tout ce que Dieu fait étonne. Amen. Même quand Dieu t'a sauvé là-bas, ça étonne, frère. Amen. Tu étais peut-être un ivrogne là. Et Dieu va te ramasser. Et aujourd'hui, tu ne bois plus. Frère, c'est un miracle. Et ça étonne les gens du monde. Et Job, c'est toi là. Donc Job, tu ne cours plus derrière les jupons. Job, tu ne vas plus dans les bois des nuits. Ça étonne. Parce que c'est Dieu qui a travaillé dans Job. Tout ce que Dieu fait est étonnant. Amen. Et quand Dieu travaille, il fait toutes choses à merveille. Amen. Amen. Toutes choses à merveille. Amen. Écoutez, s'il vous plaît. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé. Amen. Pas avant. Pas avant. Amen. Ni après. Mais au temps fixé. Amen. Frère, Dieu ne sera jamais en retard. Non. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Amen. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Amen. Ça, c'était la parole des promesses. Amen. Et quand Dieu fait la promesse, il tient sa promesse. Amen. Et il accomplit sa promesse. Amen. Notre Dieu ne fait pas seulement des promesses, mais il est aussi capable d'accomplir les promesses. Amen. Et la Bible dit que ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. Frère, ne doutez jamais. Amen. Au temps fixé, Jésus reviendra. Amen. Et c'est nous qu'il viendra prendre. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous partirons. Amen. Parce que nous sommes dans son œuvre, nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez encore une écriture de la Bible. Dans Genèse chapitre 21, verset 2, la Bible, là c'était Dieu promettant. Mais maintenant, écoutez, à l'accomplissement. Genèse chapitre 21, verset 2. Sarah devint enceinte. Amen. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Amen. Frère, Amen. Notre Dieu ne tâtonne pas. Amen. Quand il dit une chose, la chose arrive. Amen. Tel qu'il l'a dit là-bas. Donc il parle, donc il dit, il ordonne, il exécute lui-même. Amen. C'est ça notre Dieu. C'est pourquoi nous avons raison de croire en lui, frère. Ne doutez pas même pendant une seconde. Amen. Quand Dieu parle, ne doutez pas, croyez. Amen. L'incrédulité est une insulte devant le Créateur. Amen. Quand Dieu parle, un homme qui refuse de croire, il a insulté Dieu. Amen. Et que dit l'Écriture dans Romains 3, verset 3 à 4? Que tout homme soit reconnu pour menteur. Amen. Et que Dieu soit reconnu pour vrai. Amen. Donc aujourd'hui, n'importe quel homme, s'il veut dire la vérité, il doit dire ce que Dieu a dit dans sa parole. Amen. N'importe quel homme. Et je vous dis ce matin, il n'y a aucun homme de Dieu qui a la vérité. Amen. Aucun. Amen. Celui qui a la vérité, c'était Dieu lui-même dans la chair humaine. Amen. Les hommes de Dieu, comme le frère Branham, comme le frère Franck, sont des hommes de Dieu. Hein? Ils nous ont prêché la vérité. Mais ils ne sont pas la vérité. Un seul s'est tenu debout. Il dit, je suis la vérité. C'est Jésus-Christ.
C'est pourquoi même nous aujourd'hui, frères, nous prêchons le salut, mais c'est Jésus qui sauve. Amen. Nous prêchons la guérison, mais c'est Jésus qui guérit. Amen. Nous prêchons la délivrance, mais c'est Jésus qui délivre. Amen. Nous prêchons le baptême du Saint-Esprit, mais c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Nous prêchons la résurrection, Jésus est la résurrection et la vie. Amen. Donc Jésus-Christ est tout pour nous, frères. Amen. Il est tout pour nous. Il est le cœur de l'histoire du salut. Amen. Et la Bible dit dans Jean chapitre 5, au verset 39, la Bible dit textuellement ceci, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ces Écritures-là que vous sondez, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Donc aujourd'hui, frère, si vous lisez la Bible, vous ne voyez pas Jésus, vous avez mal lu. Amen. C'est pourquoi Paul, saisissant ce mystère, il dit dans Hébreux chapitre 10, au verset 7, il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Amen. Dans le rouleau du livre, Amen. Il est question de moi. Amen. Frère, voici le rouleau du livre. Amen. C'est que quand vous ouvrez ce rouleau du livre, hein, là à l'intérieur, de la Genèse, chapitre 1, verset 1, jusqu'à Apocalypse 22, verset 21, il est question de Jésus-Christ. Amen. Donc quand vous ouvrez la bouche pour parler, vous dites je suis prédicateur, mais vous ne parlez pas de Jésus-Christ, vous n'avez pas prêché. Vous n'avez pas prêché. Parce que l'évangile, c'est le message du salut ou la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous prêchons sa mort, nous prêchons sa résurrection. Nous prêchons son ascension, nous prêchons son retour, Amen. Nous prêchons son règne millénaire, Amen. Et nous prêchons même l'éternité. Amen. Nous passerons l'éternité dans sa présence. Amen. Frère, dans toute l'histoire du salut, il est question de lui. Amen. Dans l'Ancien Testament, on l'a appelé Yahweh. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est question de lui. C'est de lui que les prophètes ont parlé. C'est de lui que les apôtres ont parlé et c'est de lui que nous parlons maintenant. Amen. C'est de lui, frère. Et nous ne pouvons pas parler de lui contrairement aux Écritures. Amen. Jamais. La meilleure façon de parler de lui, c'est par rapport aux Saintes Écritures. Amen. Et c'est ce que le Saint-Esprit a martelé ce matin par le serviteur fidèle et prudent. Amen. Frère, la Bible, c'est notre absolu. Amen. La Bible, c'est le document divin. Amen. Et chacun doit le savoir. Amen. Parce qu'il y a un mauvais esprit aujourd'hui qui a tendance à minimiser la Bible. Et cet esprit-là dit, non, la Bible, Frère Branham a déjà exploité toute la Bible. C'est comme une orange qu'on a déjà sucée. Tous les jus se trouvent dans les brochures. Et aujourd'hui, dans la Bible, il n'y a rien. Et d'autres se permettent, du haut de la chaise, il prend la Bible, il jette. Frère, ça c'est la mort. La Bible, frère, c'est le document. C'est le livre de l'éternité. Amen. Et laissez-moi vous dire, les brochures n'ont pas remplacé la Bible. Non. Jamais. Par contre, les brochures sont venues nous donner la confiance de revenir à la Bible. Amen. Nous pouvons lire les brochures. Nous voulons lire les lettres circulaires, mais nous prêchons les Écritures. Amen. Prêchons d'après les Écritures. Amen. C'est que tout ce que Frère Malama dit là, ou Frère Franck a dit, nous le plaçons dans les Écritures, Amen. Et nous le prêchons à partir des Écritures. Amen. Je peux vous montrer que tous les apôtres, ils ont prêché sur base des Écritures. Amen. Si nous essayons d'interroger, vous verrez que même le Seigneur lui-même, il prêchait selon les Écritures. Amen. Paul est venu, selon les Écritures. Amen. Pierre, le jour de la fondation ou de la naissance de l'Église, il dit, voici, c'est ici ce que Dieu a dit par les prophètes et Joël. Amen. Mais ce que Dieu a dit par les prophètes Joël se trouve dans quel document? Dans la Bible. Amen. Nous disons tout conformément à ces Écritures. Amen. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a horreur, qui a la Bible en horreur, il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Amen.
Mais qu'est-ce qu'est la vérité? Jean 17, verset 17. Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. On ne peut pas s'en passer, bien-aimés frères. On ne peut pas s'en passer. Dieu ne sera jamais en retard. Et je vous dis, Dieu ne tarde pas. Parce qu'il y a des gens qui parlent abusivement. Frère, on se verra demain si le Seigneur tarde à venir. Frère, si le Seigneur tarde à venir, l'année prochaine, je reviendrai. Le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur est toujours à l'heure. Il reviendra au temps fixé. Puisque quand tu dis ça, tu t'identifies au serviteur méchant. Écoutez ce que le serviteur méchant dit. Prenez votre Bible. Frère, il ne faut pas s'identifier au serviteur méchant. Écoutez ce que le serviteur méchant dit. Matthieu chapitre 24, verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Vous voyez? Donc chaque jour, là, quand toi tu dis, si le Seigneur tarde, tu t'identifies à ces messieurs ici. Enfin, le Seigneur ne tarde pas à venir. Le Seigneur vient bientôt. Il vient bientôt. Écoutez ce que l'Écriture dit. Prenez votre Bible. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Il est écrit. Frère, même dans votre langage, on doit sentir que vous êtes connecté. Hein? 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Écoutez ce qui est dit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Est-ce que vous croyez que le retour de Christ est une promesse? Alors, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de cette promesse-là. Écoutez, hein? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Toi, tu fais partie de quel groupe? De quelques-uns? Nous savons que le Seigneur vient bientôt. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Frère, nous ne sommes pas les quelques-uns là. Nous sommes son épouse. Écoutez, frère, dans Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, au verset 37. Écoutez, je vais commencer à 36. Hébreux 10, 36 à 37. Car vous avez besoin de persévérance. Frère, ne vous laissez pas décourager par quoi que ce soit. Hein? Persévérez jusqu'à la fin. Que les circonstances naturelles de la guerre de l'Ukraine, l'augmentation du prix du gaz, l'électricité, que ça ne puisse pas vous décourager. Persévérez jusqu'à la fin. Le Seigneur revient. Nous irons à un endroit meilleur qu'ici sur la terre. Bruxelles n'est pas un endroit meilleur. L'endroit meilleur, c'est la Jérusalem céleste. C'est là que nous irons. Parce que moi, parce que quand, nous en Afrique, quand quelqu'un vient ici à Bruxelles, on croit qu'il a déjà atteint la perfection. Mais quand vous arrivez à Bruxelles, je suis arrivé à Bruxelles, Michel s'est plaint de l'augmentation du prix du gaz, hein, de l'électricité. Je dis, tiens, même à Bruxelles, on s'est plaint aussi. Donc, même si vous quittez Bruxelles, je pars en Amérique. En Amérique, on s'est plaint. Je vous dis, sur la terre, partout, il y a des plaintes. Amen. Un seul endroit où la plainte n'entrera pas, c'est la Jérusalem céleste. C'est pourquoi, frère, nous devons croire et obéir. Amen. Afin d'aller là-bas. Amen. Parce que Dieu ne donne le Saint-Esprit qu'à ceux qui lui obéissent. Amen. Là, je viens de citer Actes chapitre 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses. De même le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. C'est vrai. Bien, mes frères et sœurs, écoutez ce qui est écrit là-bas. Donc, je crois qu'à la sortie de cette réunion, je n'entendrai pas un frère pendant qu'on se sépare là-bas. Bien, mes frères, si le Seigneur tarde à venir, on se voit le mardi. Je n'entendrai plus un frère dire ça. Écoutez, il faut parler selon la parole. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 36 à 37. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, Amen. Vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Comment peux-tu accomplir la volonté de Dieu en rejetant la parole? C'est impossible. Dieu a couché sa volonté dans les Écritures. Amen.
Et sa volonté se rapporte à ce qu'il a commandé ou défendu dans la parole. Amen. Ce que tu observes la parole, ce que la parole de Dieu donne comme commandement, tu dis Amen et puis tu obéis. Amen. Ce que la parole de Dieu défend, tu refuses aussi de le faire. Amen. Et en agissant ainsi, tu fais la volonté de Dieu. Amen. Frère, ne comparez jamais votre vie avec le frère ou avec le sœur, mais comparez votre vie par rapport à la parole. Amen. Toujours en rapport avec la parole. Amen. Il faut chaque fois vous, que chacun de nous revienne aux Écritures. Amen. Et dit, que dit l'Écriture à ce sujet? Amen. Il faut chaque fois interroger les temps anciens. Amen. Parce que ce que nous lisons dans la Bible ici, ça a été écrit il y a cela plus de 2000 ans. D'autres choses ont été écrites il y a 4000 ans. C'est dans les temps anciens. Et nous devons chaque fois revenir à ces documents pour interroger les temps anciens. Amen. Parce que nous ne sommes pas les premiers à croire en Dieu. Non. Il y a des gens qui ont cru en Dieu avant nous. Nous ne sommes pas les premiers à servir Dieu. Il y a des gens qui ont servi Dieu avant nous. Amen. Il y a des gens qui ont fait des expériences avec Dieu avant nous. Amen. Alors nous devons prendre à les interroger pour voir comment est-ce que Dieu a agi avec ces gens-là afin de comprendre comment Dieu travaillera avec nous aujourd'hui. Amen. Amen. Frère, même William Branham, quand il est allé dans la vision au paradis, c'est dans la prédication au-delà du rideau du temps. Quand il est allé là-bas, il était surpris parce que Frère Branham, avant, il ne croyait pas que l'épouse, même l'épouse serait jugée. Il ne croyait pas ça. Pour lui, il savait que non, donc dès que tu es l'épouse, c'est fini. Ça... Mais quand il est arrivé au paradis, il fut étonné d'entendre la voix lui dire, lorsque le Seigneur Jésus viendra, tu seras jugé avec ton couple. Et je serai jugé, moi. Frère Branham n'est pas parti au Vatican pour interroger. Frère Branham a interrogé les temps anciens. Amen. Il est retourné au commencement à Pierre et à Paul. Et il pose la question au ciel, au paradis. Il dit, est-ce que Pierre et Paul seront-ils aussi jugés? On lui dit, oui, ils seront jugés. Et il se redresse. Il dit, si ceux de Pierre et de Paul entrent, les miens aussi entreront. Et il ajoute, hein, parce que j'ai prêché exactement comme eux. Amen. Amen. Donc, ce que Branham a prêché aujourd'hui, il a prêché exactement comme Paul et Pierre. Amen. Donc, aujourd'hui, ce que nous devons prêcher comme Paul et Pierre. Amen. Et ce que Paul et Pierre ont prêché se trouve dans la Bible ici. Amen. Et écoutez la réponse des gens. C'est sur cela que nous nous tenons. Amen. Les gens n'ont pas dit à Frère Branham, c'est sur toi que nous nous tenons. Mais ils ont dit, c'est sur cela que nous nous tenons. Amen. C'est pourquoi la foi trouve son lieu de repos dans la parole écrite. Amen. Tout ce qui est prêché doit être prouvé par les Écritures. Amen. Sinon, ce n'est pas la vérité. Amen. Et ce n'est pas digne de foi. Amen. Et dans une autre question appelée à la fête des trompettes, au paragraphe 34, je peux vous lire ça comme témoignage. Écoutez ce qui est dit là-bas. Il dit ceci. Fête des trompettes, paragraphe 34. Il dit, immédiatement après cela, les anges du Seigneur apparurent et me parlèrent au sujet des sept sceaux. Et je devais retourner ici à Jeffersonville et prêcher sur les sept sceaux. Et s'il m'est jamais arrivé de dire quelque chose d'inspiré, ce fut à ce moment-là. Il y eut l'ange du Seigneur qui nous rencontra. La Bible devint nouvelle pour moi. Elle s'ouvrit là et révéla toutes les choses que les réformateurs avaient laissées de côté. C'était la complète révélation de Jésus-Christ, entièrement nouvelle pour nous, mais parfaitement en accord avec les Écritures. Amen. Écoutez la conclusion. C'était la parole qui avait toujours été. Amen. C'est, malgré qu'il a reçu la révélation des sceaux et toutes ces choses, mais il dit, c'était la parole qui avait toujours été. Amen.
Elle avait toujours été où? Dans la Bible. C'est pourquoi au temps de la fin, si tu dis que tu es croyant de ces messages, mais tu minimises la Bible, tu n'as pas cru le message. Amen. Frère, nous annonçons au monde entier le message biblique du temps de la fin. Amen. Nous voulons que le monde entier comprenne que Dieu nous a envoyé un prophète biblique. Amen. Que le monde entier comprenne que pour la continuité, Dieu a suscité un serviteur fidèle, prudent, biblique. Amen. Et laissez-moi vous dire que sur la terre, il n'existe pas plusieurs serviteurs fidèles et prudents. Non. Non. Il faut bien lire les Écritures. Sur la terre, il n'existe pas plusieurs Élie le prophète. Non. Cet article-là définit L-E. Je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Vous trouvez le même article dans Matthieu 24, 45 à 47. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Amen. Le même article qui a été utilisé pour Malachie 4, c'est le même article qui est utilisé pour Matthieu 24, 45 à 47. Amen. Et de la même manière que Élie le prophète était défini, Élie le prophète, c'est de la même manière que le serviteur fidèle et prudent est défini. Amen. Donc tu ne peux pas être là, un courageux, un audacieux, un téméraire que tu es, tu sors, je ne sais pas moi d'où, et tu viens dire, non, nous tous nous sommes serviteurs et fidèles et prudents. Tika, mon numéro, elle est là, c'est pas bien. Ce n'est pas correct. Il n'y avait qu'un seul Élie le prophète, c'était William Branham. Amen. Il n'y a qu'un seul serviteur fidèle et prudent, c'est Evald de Franck. Amen. Maintenant, comment est-ce que nous nous retrouvons dans toutes ces écritures là-bas? Dans Malachie 4, nous sommes aussi là, pas en tant qu'Élie le prophète, mais en tant que vous. Je vous enverrai. Je, c'est Dieu. Vous, c'est nous. Élie le prophète, c'est Branham. C'est de cette manière-là que nous nous retrouvons aussi là-dedans. C'est-à-dire que nous sommes participants de son plan. Amen. Maintenant, comment est-ce que nous nous retrouvons dans Matthieu 24, 45 à 47? Il est dit, que le donc le serviteur fidèle et prudent. Amen. Que son maître, c'est Jésus-Christ, Amen. A établi sur les domestiques de sa maison. Amen. Les domestiques sont là. Amen. Frère, n'y a pas mon langue, mais la boy. Je suis un domestique. Amen. Michel, que tu vois là-bas, même si tu le vois en lunettes, là, c'est un domestique. Amen. Jean-Claude, là, un domestique. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Nous sommes des domestiques. Amen. De sa maison. Amen. Mais sa maison, c'est nous. Amen. Vous, là, vous êtes sa maison. Amen. Salut, sœur. Même vous, les sœurs, vous êtes dans Matthieu 24 et 45. Amen. En tant que sa maison. Amen. Mais Michel, que tu vois là, il est là en tant que domestique. Amen. Même moi, malgré que vous me voyez bien là, je suis un domestique. Amen. Et le serviteur fidèle et prudent, c'est Evald de Franck. Amen. Il a été établi sur les domestiques de sa maison. Amen. Pourquoi? Amen. Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Mais c'est quelle nourriture? La parole de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu. C'est ça la vérité. Frère, l'épouse au temps de l'affaire vit dans cette cadence-là. Elle vit dans cette cadence là-bas. Si tu négliges cette cadence là-bas, tu sors du rail. C'est un déraillement qui va s'opérer. Bien-aimés frères et sœurs, le temps est arrivé où chacun de nous doit apprendre à interroger les temps anciens. Amen. Maintenant, écoutez, je rentre à Hébreux 10, je n'avais pas oublié. Hébreux chapitre 10. Écoutez ce qu'il dit. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Frère. Ah, ça c'est bien. Vous savez que Dieu, quand il fait une promesse, il veille sur ça pour l'accomplir. Amen. Amen. Et puis, Dieu ne veille pas sur les déclarations des hommes. Non. Non.
Dieu ne veille pas sur les opinions. Non. Alors, frère, moi je pense que, hein, frère, moi je trouve que, non. Frère, moi je vois que, arrête, frère, s'il te plaît, arrêtez. Ici, que dit l'Écriture? Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit en rapport avec ça? Amen. Pas ce que toi tu penses. Non. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'orgueilleux. Ils aiment se faire valoir dans le royaume de Dieu. Frère, c'est le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Amen. L'esprit de Dieu. Amen. Le peuple de Dieu. Amen. Tout est lié à Dieu. Amen. Donnons gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est ça la vérité, frère. Amen. Donnons gloire à ces dieux-là. Amen. Écarte-toi du chemin, frère. Laisse Dieu agir, laisse Dieu être glorifié. Amen. Écoutez, s'il vous plaît, frère. Afin que vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Nous ne prions pas en vain. Hein? Non. Vous croyez que moi je suis en train de crier comme ça en vain? Non. Je serai payé, frère. Amen. Je ne serai pas payé par vous. Je serai payé par Dieu. Amen. Même vous, quand vous criez là, les amens là ne sont pas gratuits. Non. Vous serez payé. Amen. C'est pourquoi, frère, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour les gens qui sont oisifs, les gens qui ne font rien là. Je suis oisif, moi, je n'ai rien à faire. Ici, il n'y a pas de place pour les spectateurs. Amen. Amen. Ici, chacun a un travail à faire. Amen. Vous avez quelque chose à faire. Amen. Tu peux pas venir ici, tu viens là en spectateur. C'est comme si toi, tu étais un patron là-bas. Dieu, c'est ton travailleur. Ici, le patron, c'est Dieu. Amen. Et dans la présence de Dieu, tout le monde doit s'abaisser. Amen. Nous venons de le chanter, tout le monde s'abaisse devant lui. Amen. Il est le roi des rois. Amen. Même Branham s'abaissait. Amen. Nous étions hier à Créfeld, frère Franck s'abaisse. Amen. Michel, vous l'avez vu s'abaisser. Amen. Moi, je me suis abaissé. Amen. Vous aussi, vous devez vous abaisser. Amen. Il est écrit dans la parole, tout genou fléchira devant Jésus-Christ. Et vous savez, tous les, quand on dit tout genou, c'est, on a spécifié les endroits. Hein, dans les cieux. Amen. Sur la terre. Amen. Même sous la terre. Amen. Tout genou doit fléchir devant lui. C'est le bon nom que vous portez. Amen. Nous portons ces bons noms-là. Amen. Le nom de Jésus. Amen. Moi, je m'appelle Kitoko, mais mon nom n'est pas beau. Non. Vous connaissez mon nom, non? Oui. Sam Kitoko. Non. Mais mon nom n'est pas beau. Non. Le nom de Branham n'est pas beau. Non. Evald Frank, ce nom-là, n'est pas beau. Non. Même le nom de Paul, il n'est pas beau. Non. Mais le seul nom qui est beau, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le seul nom qui est merveilleux. Amen. Bien, mais faites être fier de citer le nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'ai attristé ce matin. On m'a envoyé une vidéo d'un musicien famé que vous connaissez, dont j'étais le nom, parce que ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors, ce musicien là-bas, il s'est placé là comme prédicateur et il s'est mis debout. Il dit, frère, nous devons aimer le frère Branham plus que Jésus. J'ai dit quoi? Aimer le frère Branham plus que Jésus? Est-ce que sans Jésus, tu pouvais connaître le frère Branham? Frère Branham, c'est une étoile dans la main droite du Seigneur. Amen. Donc tu aimes l'étoile plus que celui qui tient l'étoile? Frère, ça c'est une folie. Frère, on ne peut pas aimer quelqu'un sur la terre plus que Jésus. Jésus, c'est la sommité. Amen. Aujourd'hui, je dois vous dire que le cœur de l'évangile, ce n'est pas le frère Branham. Non. Le cœur de l'évangile, c'est Jésus-Christ. Amen. Et dans 2 Corinthiens 4 et 5, Paul l'avait dit. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Amen. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Amen. C'est Jésus qui est le cœur de l'évangile. Amen. Le centre. Si vous ne parlez pas de lui, vous n'avez pas prêché. Bien, mes frères et sœurs, écoutez s'il vous plaît. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir, viendra. Amen. Écoutez la conclusion. Et il ne tardera pas. Amen.
Mais toi, tellement que tu es zélé après la réunion, si le Seigneur tarde à venir, frère, hein, on va se retrouver mardi. Hein? On dit là clairement, il ne tardera pas. Mais toi, ton zèle, là, moi, je ne comprends pas. On dit encore un peu de temps. Celui qui doit. Frère, la venue du Seigneur n'est pas une probabilité. C'est un devoir divin. Amen. On dit celui qui doit. C'est le verbe devoir. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Amen. Donc, la venue du Seigneur ne dépend pas de l'humeur de qui que ce soit. Au temps fixé, Jésus viendra. Amen. Encore un peu de temps. Celui qui doit, celui qui doit venir, viendra. Amen. Et il ne tardera pas. Amen. Frère, moi je dis amen à cette écriture. Amen. Le Seigneur ne tarde pas. Amen. Le Seigneur vient. Amen. Et il vient très bientôt. Amen. Nous sommes la génération qui verra le Seigneur Jésus-Christ revenir. Amen. Et ce qui est merveilleux, parmi nous ici, il y a des gens qui ne passeront pas par les tombeaux. Amen. Parmi nous là, Amen. Il y a des gens qui monteront au ciel vivant, Amen. Comme Enoch est monté vivant. Amen. Même en rapport avec l'enlèvement, il faut interroger les temps anciens. Amen. Parce que les tournéristes aujourd'hui se moquent de notre enlèvement que nous attendons. Vous croyez vraiment qu'il va venir vous monter comme ça? Frère, nous monterons comme ça. Amen. Enoch est monté. Élie est monté. Amen. Jésus est monté. Amen. Nous aussi, nous monterons. Amen. Amen. Sur base de quoi vous dites ça? Parce que nous avons interrogé les temps anciens. Amen. Quand nous avons interrogé, nous avons vu qu'Enoch est monté. On a interrogé du temps d'Élie. Élie est monté. Amen. On a interrogé du temps de Jésus. Jésus est monté. Amen. C'est-à-dire que nous aussi aujourd'hui, nous monterons. Amen. Donc il n'y a pas de tâtonnement possible dans les choses de Dieu. Nous croyons conformément à ce qui est écrit dans Amen. Sa parole. Le Seigneur revient très bientôt. Amen. Et c'est nous qu'il viendra prendre. Donc, dorénavant, s'il vous plaît, ne parlez pas comme les serviteurs méchants. Mon maître tarde à venir. Ça, c'est le langage du serviteur méchant. Mais nous disons, si Dieu le veut. Amen. Hein? Amen. Ah, frère Job, Dieu voulant, on se retrouve mardi. Frère Michel, si Dieu le veut, on se verra les mardis. Mais pas, frère, si le Seigneur tarde à venir. Non. Changez de langage, s'il vous plaît. Amen. Parlons conformément aux Saintes Écritures. Amen. Dieu est lié à sa parole. Amen. Et Dieu lie le sien à sa parole. Amen. Nous restons là, scotchés à la parole. Nous ne quitterons pas de là. Amen. On ne bougera pas d'un cran. Contre vents et marées, nous sommes scotchés là-bas. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler quelque chose que j'ai écouté les serviteurs fidèles prudents dire ce matin. C'est pour votre bien. Amen. Et les gens qui me surprennent, hein, ils disent que non, quand vous écoutez les directs là-bas, il n'y a pas d'onction là-bas. Hein? Connaissez-vous un seul ministère sans onction? Interrogez les temps anciens. Dans le sacerdoce lévitique, connaissez-vous un seul lévite, un sacrificateur qui devait servir Dieu dans les sacerdoces sans être loin? Connaissez-vous ça? Mes frères, interrogez les temps anciens. Dans les temps anciens, tous les fils d'Aaron, avant de commencer à servir dans le sacerdoce, il devait être roi. Aujourd'hui aussi, un vrai ministre ne peut pas servir Dieu sans onction. Et vous vous dites que non, avant ces ministères-là, l'enseignement-là n'apporte pas l'onction. Vous n'avez pas compris les desseins de Dieu. Il n'existe pas de ministère sans onction. Et je vous dis ce matin, même pour pécher, il faut une onction. Je vous dis. Pour vivre dans la sainteté, il faut une onction. Amen. C'est l'onction du Saint-Esprit. Amen. Pour pécher aussi, il faut une onction, oui. L'onction du diable. Oui. Pour pécher, frère, Satan doit vous oindre. Oui. Et vous, dès que vous êtes revêtu de cette onction-là, vous sentez seulement que non, je dois suivre cette prostituée là-bas. Oui. C'est une onction. Oui. Et pour marcher dans la sainteté, oui. Dieu doit vous oindre. Amen. Amen.
C'est lui qui nous a oints. Amen. Frère, nous sommes les oints de Dieu. Amen. C'est écrit dans la Bible, c'est lui qui nous a oints. 2 Corinthiens 1, prenez la Bible. C'est écrit dans votre Bible. Je ne fabrique rien ici. Écoutez s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 1er. Il est écrit, verset 21, 2 Corinthiens 1, 21, 22. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Amen. Nous sommes les oints. Amen. Donc quand la Bible dit, ne touchez pas à mes oints, toi aussi tu es concerné là-bas. Amen. Nous sommes des oints, frère. C'est pourquoi ne parle pas mal d'un enfant de Dieu, c'est un oint. Amen. Ne les critique même pas. Amen. C'est un oint. Amen. Même le conducteur, votre conducteur, ne les critiquez pas. Amen. C'est un oint. Amen. Écoutez s'il vous plaît, frère. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Amen. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Amen. Et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Les arts, hein, c'est-à-dire la compte. L'avance. C'est que je compléterai ça plus tard, mais je vous donne l'avance comme garantie. Amen. Le Saint-Esprit est placé dans nos cœurs comme avance, comme une garantie. Et ça sera complété quand Jésus viendra. Amen. À la première résurrection. Amen. Ou à la transmutation des vivants. Amen. Ça sera complété. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, grâce à l'œuvre de Golgotha, nous avons expérimenté la rédemption de nos âmes. Amen. Ou le salut de nos âmes. Amen. Mais quand le Seigneur viendra, nous expérimenterons la rédemption de nos corps. Amen. Le même Seigneur, le même Sauveur, il accomplit le salut de nos âmes. Amen. C'est pourquoi il vient placer ce sceau là-bas comme garantie de ce qui sera complété quand il reviendra. Amen. Et à sa venue, quand il viendra, et qu'il criera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Et nous les vivants, nous serons changés. Amen. Ensemble avec eux, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Et la Bible dit, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Vous voyez pourquoi Dieu, avant ce temps-là, il a envoyé ce glorieux message. Amen. Qui nous prépare à cet événement là-bas. Bien-aimés frères et sœurs, donc nous sommes les oints de Dieu. Amen. C'est Dieu qui nous a oints. Amen. N'hésitez pas, croyez ça fermement. Amen. Et quiconque veut vous toucher, il va toucher Dieu directement. Amen. Et Dieu Amen. Interviendra. Amen. Nous sommes le peuple le mieux sécurisé de la terre. Amen. Et Proverbe 18, verset 10, dit ceci. Le nom de l'Éternel, ou le nom du Seigneur, est une tour forte. Amen. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Amen. Le juste s'y réfugie. Donc vous comprenez que Jésus-Christ, c'est notre ville de refuge. Hein? Amen. Le juste s'y réfugie Amen. Et se trouve en sécurité. Amen. Une sécurité éternelle. Amen. Quelle garantie. Ça doit nous donner la joie. Amen. Ça doit nous donner la joie. Amen. Un homme sauvé, c'est un homme joyeux. Amen. C'est un homme joyeux, frère. Amen. Parce que nous devrions aller à l'enfer. Oui. Vous et moi. Oui. On devait aller à l'enfer. Oui. On devait mourir, périr. Mais quelqu'un s'est jeté dans la brèche. Amen. Il a pris notre place. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Frère, et il a pris sa justice. Il l'a placée sur nous. Amen. Donc aujourd'hui, si tu es appelé juste, ce n'est pas la justice que ton Père t'a donnée, c'est la justice de Jésus-Christ sur toi. Amen. Notre justice humaine ici, c'est une tunique souillée devant Dieu. Amen. Ça ne vaut même pas la peine. De nos pères, de nos parents, nous avons hérité la vaine manière de vivre. Mais aujourd'hui, pour avoir la bonne manière de vivre, il faut naître de nouveau. Amen. Naître de Dieu. Amen. Par la parole et par l'esprit des vérités. Amen. Et ce que Dieu a fait. Ainsi, Dieu, il nous a pris des enfants d'hommes que nous étions et il a fait de nous des enfants de Dieu. Amen.
Quel privilège! Amen. Bien-aimés frères et sœurs, en toutes circonstances, apprenons à interroger les temps anciens. Amen. Apprenons à interroger. Nous n'avons pas commencé à servir Dieu aujourd'hui. Vous allez remarquer que même Paul, dans Actes chapitre 26, Paul dans Actes chapitre 26, écoutez ce qu'il dit. Actes 26, au verset 23, il est écrit ceci. Mais grâce au secours de Dieu, un prophète, un messager, hein, mais il compte sur le secours de Dieu. Grâce au secours de Dieu, je subsistais jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands. La parole de Dieu ne concerne pas que les grands, même les petits, il faut écouter la parole. Amen. Rendant témoignage devant les petits et les grands, écoutez, sans m'écarter en rien Amen. De ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Amen. C'est que même Paul interrogeait les temps anciens. Amen. Sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Amen. Qu'est-ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver? Savoir que le Christ souffrirait Amen. Et que ressuscité le premier d'entre les morts, Amen. Il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Amen. Et vous allez voir que Paul revendique, il dit, je n'ai point désobéi à la vision céleste. Amen. Je n'ai point désobéi. Hein? C'est au verset 19 hein? Et verset 20. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point désobéi ou bien résisté à la vision céleste. Amen. À ceux de Damas d'abord. Il annonce maintenant sa vision céleste. La vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu Amen. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Frère, ça fait partie de ce que Paul appelle la vision céleste. Amen. Et il dit, j'ai prêché la repentance. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas prêcher la repentance. Et c'est aussi l'un des signes qui montre que celui-là, c'est un vrai prédicateur et l'autre ne l'est pas. Amen. Les faux prédicateurs ne prêchent jamais la repentance. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne se sont jamais répandus. Amen. Si tu as fait cette expérience, tu n'auras pas honte de le témoigner. Hein? Amen. Frère, les faux prédicateurs, parcourir, les prédicateurs qui prêchent la fausse grâce, ils ne prêchent jamais la repentance. Jamais. Pourquoi? S'il veut continuer ainsi sur la repentance, lui-même sera cuit. Il sera cuit. D'où, forcément, parler des promesses, frère. Oui. Dieu nous a fait des belles promesses. Tu n'hériteras pas les promesses avec une vie souillée. Amen. Ce sont les saints qui entreront. Amen. Nous n'avons pas reçu la grâce de Dieu pour continuer à vivre comme on vivait avant. Amen. Nous avons reçu la grâce de Dieu pour devenir des enfants obéissants. Amen. Il faut qu'il y ait une différence entre celui qui a reçu la grâce et celui qui ne l'a pas reçu. Amen. Toi, avant de recevoir la grâce, tu étais coureur de jupons. Tu reçois la grâce, tu deviens coureur de jupons, donc par excellence. C'est quelle forme de grâce que tu as reçue? Avant de recevoir la grâce, tu étais adultère. Tu reçois la grâce, tu es toujours adultère. Non. Toujours derrière les femmes d'autrui. Non. Frère, tu n'as pas expérimenté la grâce. Quand quelqu'un a expérimenté la grâce, il y aura un changement dans sa vie. Il dira, autrefois, j'étais coureur de jupons, mais maintenant je ne le suis plus. Parce que la grâce de Dieu m'a délivré. Frère, la grâce de Dieu est un secours divin pour nous rendre capables de faire ce que nous n'étions pas capables de faire. C'est ça la grâce de Dieu. Vous recevez la grâce de Dieu, mais vous commencez, vous vivez comme des païens. Une sœur qui a reçu la grâce de Dieu, tu t'habilles comme une prostituée. Tu n'as pas reçu la grâce de Dieu. Une fille de Dieu qui a reçu la grâce de Dieu se respectera. Elle gardera son corps pour l'homme qui va la prendre en mariage. Tu dis que tu as reçu la grâce de Dieu, mais tu te laisses toucher par des hommes à gauche et à droite.
Non. Non. Quand la grâce de Dieu, nous l'avons reçue, notre vie doit crier Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Amen. On doit crier la sainteté au Seigneur. Amen. On ne peut pas recevoir la grâce de Dieu, on parle de la grâce en vivant dans la sueur. Non. Tu as une grosse défie à gauche, tu as une grosse à droite, tu dis que c'est la grâce de Dieu. Non. Et tu ne veux pas qu'on parle de la repentance. Nous prêcherons la repentance. Amen. Paul, quand il énonce la vision céleste, il dit clairement ceci. Il dit à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens. Amen. Les païens, c'est nous. Amen. Peut-être tu ne connais pas. Toi, tu es un païen. Parce que dans les plans du salut, il n'y a que trois peuples. Il y a les juifs, il y a les samaritains, et il y a les païens. Amen. Toi, tu n'es pas juif. Tu n'es même pas samaritain. Est-ce que tu es déjà parti en Samarie? Tu n'es pas samaritain. Toi, tu es païen. Mais maintenant, la différence entre nous et les païens de Bruxelles ici, nous sommes des païens sauvés par la grâce. Amen. C'est que nous avons la vie de Dieu en nous. Amen. Qui fait de nous différents des païens bruxellois. Amen. C'est ça la différence, frère. Amen. Il dit, dans toute la Judée chez les païens, j'ai prêché la repentance. Amen. Frère, puisque le temps fait défaut, j'allais vous montrer à partir de Jésus-Christ, Jean-Baptiste, Paul, Pierre, Branham, Franck, tous ont prêché la repentance. Amen. Jean-Baptiste, quand il a commencé son ministère, il a dit, repentez-vous. Amen. Jésus, quand il a commencé son ministère, il dit, repentez-vous. Amen. Pierre, si vous suivez cette application au jour de la Pentecôte, quand les gens ont posé la question, oh mon frère, que ferons-nous? Il dit, repentez-vous. Amen. Même Paul lui-même, il dit ici, j'ai prêché la repentance. Amen. Si vous allez chez Branham, dans la prédication, les cinq identifications précises de l'église du Dieu vivant, il dit, le premier message de cette église épouse, c'est la repentance. Amen. Même Franck, il a prêché, il prêche la repentance. Amen. Maintenant, toi, tu dis que tu es béni ministre, mais tu n'interroges pas les temps anciens. Tu ne vois pas comment les anciens qui t'ont précédé ont parlé. Tous ont prêché la repentance. Amen. Oh frère, frère, on ne force pas la repentance. Même si on ne force pas la repentance, mais on prêche la repentance. Amen. On prêche la repentance. Amen. Et nous prêcherons la repentance. Amen. Et les résultats sera qu'il y aura des gens qui vont se repentir. Amen. Frère, dans le plan du salut, prenez votre Bible, dans l'Ancien tout comme dans le Nouveau Testament, Dieu n'agit que sur base de ce qui est prêché. Amen. Si vous ne prêchez pas contre les choses mondaines, elles ne quitteront pas l'église. Elles ne quitteront pas l'église. C'est vrai. Vous voyez des femmes qui s'habillent mal. Vous, vous dites, frère, le Seigneur revient, nous allons partir. L'habillement mondain restera là-bas. Et ils ne partiront pas. C'est vrai. Dans le plan du salut, Dieu n'agit que sur base de ce qui est prêché. Quand vous prêchez la repentance, les gens se repentiront. Le jour de la Pentecôte, Paul a prêché la repentance, les gens se sont repentis. Quand vous prêchez le baptême du Saint-Esprit, les gens recevront le Saint-Esprit. Amen. Vous avez écouté le serviteur fidèle présent ce matin insister sur le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et nous qui croyons, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Amen. Il nous donne. Amen. Et la parole montre qu'il faut le demander. Il faut demander le Saint-Esprit. Amen. Toi, tu demandes seulement le travail. Tu aimes seulement le travail. Toi, tu demandes seulement le travail. L'autre, là, il demande que le mariage. Mais non, demandez la chose essentielle. Amen. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Ça dit, premièrement, c'est le royaume. Le reste, là, c'est ma tabissi. Oui. Un bonus. Amen. Donc aujourd'hui, on ne doit pas être là en train de prier pour les habits, prier pour le travail. Non, non, non. Priez pour demander le Saint-Esprit. Amen. Quand Dieu vous donnera le Saint-Esprit, il vous donnera aussi le bonus. Amen. Travail, bonus. Nourriture, bonus. Vêtements, bonus. Tout ça, voyage, tout ça. Bonus.
Mais les gens se battent aujourd'hui pour les bonus. Ils laissent la chose essentielle. Premièrement, c'est le royaume et la vie de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce matin que nous vivons à Bruxelles, mais nous ne sommes pas des Bruxellois. Amen. C'est ce qu'il faut connaître. Hein? Nous sommes citoyens des cieux. Amen. Il ne faut pas que l'esprit qui conduit les habitants de Bruxelles nous conduise. Nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Et Romains 8, 14 dit clairement, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. C'est la vérité, bien-aimés frères et sœurs. Donc vous remarquez, Paul, quand il énonce sa vision céleste, il fait allusion à Moïse et les prophètes. C'est-à-dire qu'il interroge les temps anciens. Et il dit ici que j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Amen. La repentance, hein, c'est le regret. Amen. C'est que tu as fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu et tu regrettes. Amen. Seigneur, pardonne-moi. Amen. Fais-moi grâce, Seigneur. Amen. Rends-moi capable d'obéir à ta parole. Amen. Seigneur, je regrette. Amen. Je regrette de m'être comporté comme une prostituée et pourtant je suis ta fille. Amen. Seigneur, je suis ton fils. Comment je peux suivre cette païenne-là? Seigneur, je regrette. C'est ça la repentance. Amen. Donc un regret sincère. Amen. Conduit par l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Et un homme qui regrette ça ne continuera plus dans la même direction. Il changera de direction. Amen. Et le changement de direction, c'est la conversion. Amen. Vous changez de direction. Vous laissez la direction des boîtes de nuit derrière. Vous êtes maintenant en route vers le ciel. Amen. Ce changement de direction, c'est ce qu'on appelle la conversion. Amen. C'est vrai, frère. Bien-aimés frères et sœurs, il faut que nous apprenions à croire et à obéir à la parole de Dieu. Amen. C'est comme ça que les gens des temps anciens s'étaient comportés. C'est comme ça qu'ils ont vécu. C'est comme ça qu'ils ont vécu. Je vois que le temps... Je ne suis même pas parvenu à lire ce que le frère Franck a dit. Je crois qu'il est temps, bien mes frères et sœurs, en toutes circonstances, en tout cas, il faut que je lise une écriture. En toutes circonstances, apprenons à interroger les temps anciens. Amen. Prenez Jérémie chapitre 6. Je dois lire ça. Jérémie 6, verset 16 à 19. Verset 16, oui. Non, je peux m'arrêter à 17. Jérémie 6, 16 à 17. Écoutez, s'il vous plaît. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Placez-vous sur les chemins. Amen. Regardez. Amen. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Amen. Frère, chacun de nous. Alléluia. Remarquez, on a dit demander. Demander ici, c'est à l'impératif. Ce n'est pas une exhortation, c'est un ordre. Amen. Placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Amen. Assemblée du Dieu vivant à Bruxelles. Amen. Interrogez les temps anciens. Amen. Ne demandez pas les nouveaux sentiers. Demandez quels sont les anciens sentiers. Amen. Frère, on ne modernise pas Dieu. Non. Dieu est parfait. Amen. Oh non, bon, ça, cette façon de prêcher là, c'est en Afrique, hein? C'est en Afrique. C'est comme si l'évangile est venu de l'Afrique. L'évangile vient d'un pays où il y avait aussi l'hiver, il y avait aussi l'automne. Hein? N'oubliez pas ça. Donc vous n'avez pas de raison à avancer devant la parole. Devant la parole, c'est oui et amen. Amen. Écoutez, frère. Placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Amen. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Amen.
La bonne voie ne se trouve pas dans des nouvelles choses. Non. Il n'y a pas de bonne voie dans les nouveautés. Non. La bonne voie se trouve dans les anciens sentiers. Amen. C'est pourquoi il faut interroger les temps anciens. Amen. Afin de trouver la bonne voie. Amen. Le message du temps de la fête, c'est le retour à la foi apostolique. Amen. C'est le retour à ce qui était au commencement. Amen. Le message, c'est le retour. Amen. Ce ne sont pas de nouvelles choses. Non. Dieu nous ramène à ce qui était passé, frère. Amen. Amen. C'est pourquoi nous, dans Ecclésiastes 3, 14 à 15, on dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Ce qui est a déjà été. Amen. Ce qui sera a déjà été. Amen. Et Dieu ramène ce qui est passé. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez, demandez quelle est la bonne voie, marchez-y. Amen. C'est-à-dire que dès que vous trouvez la bonne voie, alors ne restez pas là-bas. Dès que vous trouvez la bonne voie, marchez sur la bonne voie. Amen. Frère, il ne faut pas rester stationnaire. Non, dès que vous trouvez la bonne voie, marchez. Amen. Ne restez pas là-bas. Amen. C'est pourquoi, frère, devant Dieu, on ne développe pas de caprices. Devant Dieu, on s'humilie. Amen. Et on dit à Dieu que ta volonté soit faite. Amen. Un enfant de Dieu ne discute pas avec la parole. Non. Mais il croit. Amen. Même une parole qui lui fait mal. Il dit, Seigneur, fais-moi grâce. Amen. Fais-moi grâce d'obéir à ce que tu as dit là-bas. Amen. Dis-moi, non, mais je ne suis pas capable. Mais rends-moi capable. Amen. C'est ce qu'un vrai enfant de Dieu. C'est pas celui-là. La parole cogne là-bas. Il se fâche, il quitte l'église. La Bible dit... Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Amen. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Ne venez pas à l'église pour que la parole vous donne raison. Non. Venez à l'église pour donner raison à la parole. Amen. C'est vrai. Écoutez, demandez quelle est la bonne voie. Demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Amen. Marchez-y. Amen. Écoutez, et vous trouverez le repos de vos âmes. Amen. Frère, vous ne trouverez pas le repos en dehors des anciens sentiers. Amen. C'est pourquoi même au temps de la fin, nous ne prêchons pas un nouvel évangile, non, mais nous prêchons l'ancien évangile. Amen. Parce que le repos se trouve dans les anciens sentiers. Amen. Pas dans les nouveautés. Non. Donc si tu veux trouver le repos de ton âme, tu dois parcourir les anciens sentiers. Amen. Le repos, c'est quoi? C'est le scellement du Saint-Esprit. Amen. Le baptême du Saint-Esprit dans votre âme. Amen. C'est ça le repos de vos âmes. Amen. Mais pour trouver le repos de vos âmes, il faut demander quels sont les anciens sentiers. Amen. Quelle est la bonne voie? Amen. Et dès que vous demandez, on vous montre les anciens sentiers, on vous montre la bonne voie, ne croisez pas les bras, marchez-y. Amen. Marchez-y, il y a un travail à faire, c'est Amen. La marche. Amen. C'est la marche. Dès que vous trouvez la bonne voie, marchez-y. Amen. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Amen. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Vous voyez, il y a tout des têtus. Dieu parle comme ça, lui pense autre chose. Il répond, nous n'y marcherons pas. Écoutez le verset 17. J'ai mis près de vous des sentinelles. Amen. Soyez attentifs au son de la trompette. Amen. Mais il répond, nous n'y serons pas attentifs. Amen. Frère, Dieu a placé près de vous des sentinelles. Amen. Et les sentinelles vous disent, soyez attentifs au son de la trompette. Amen. Les sentinelles ne disent pas, soyez attentifs à la trompette. Mais ils disent, soyez attentifs au son de la trompette. Amen. Et 1 Corinthiens 4, 14, verset 8 dit, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons un son certain. Amen. Et ce son certain nous aide à nous préparer. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous avons entamé la dernière étape de notre préparation. Amen. Et Dieu voulant, nous atteindrons le but. Amen. Assemblée de Bruxelles, interrogez les temps anciens. Amen. C'est-à-dire, à chaque pas de votre marche là-bas, tenez-vous là-bas et interrogez. Amen.
Il faut que même chacun de nous se mette devant le miroir de la parole. Il commence à se regarder par devant le miroir et il interroge les temps anciens. Et Dieu te dira ce qu'il faut faire, conformément à sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes un peuple privilégié. Amen. Dieu nous aime. Amen. Nous aussi nous l'aimons. Amen. Mais ce qui est merveilleux, lui nous a aimés le premier. Amen. Et nous l'aimons en retour. Amen. Et dans peu de temps, il reviendra nous prendre. Amen. Et nous irons à sa rencontre dans les airs. Amen. Ainsi, ça c'est la conclusion, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement pour ce matin. Amen. Dans les cieux, sur la terre. Dieu sauve encore. De la même manière qu'il a sauvé, il sauve encore aujourd'hui. Il baptise de feu, il pardonne, selon qu'il est écrit, le pardon se trouve auprès de Dieu. Celui qui se répand sincèrement, le pardon se trouve auprès de Dieu. La véritable repentance, ce ne sont pas des explications. Se reconnaître son état devant celui qui pardonne, celui qui accorde le pardon, et il vous pardonne. Il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Prions tous ensemble. Élevons nos voix, prions. Dieu, notre Père céleste.